for joining us. Now let's talk a little bit about this place we all love called Saint Denis. Bayou swamp and over the sea, we're heading down to Saint Denis. If your wagon is broke, get to the blacksmith shop. Don't worry yourself with planting a crop. The girls are wearing a brand new gown. We're heading to the Saint Denis town. Yes, I'd rather live in Saint Denis. So draw your money, come see your honey in old Saint Denis. Bien, bonjour les Anxios et vous êtes sur l'Alternative et nous sommes sur un nouvel épisode de Red Dead Redemption 2. Ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah, ceux qui seront encore là après toutes ces péripéties et ce temps passé, ce temps perdu. Et le temps perdu, vous savez ce qu'en disait Barbara. Eh bien, on ne le rattrape plus. Magnifique chanson. Allez, bah écoutez, c'est parti. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des activités à faire sur le camp. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas encore disponibles. Je suis en train de monter mes premiers épisodes, là. Je suis en train de les upload. J'en suis à l'épisode 10, 12, quelque chose comme ça. Et je me rends compte que j'ai joué beaucoup plus RP au début du Let's Play que maintenant. C'est vrai que maintenant, je me contente de... Bah de lancer les missions et entre chaque mission de faire un petit peu de RP. Alors que, généralement j'essaie toujours de faire une mission par épisode, alors que vraiment sur les premiers épisodes du Let's Play, t'avais des épisodes entiers, de une heure et demie, enfin une heure quoi, dans lesquels je ne faisais aucune mission. Je faisais juste de la chasse, où je me baladais à droite à gauche, et voilà. Et je pense que j'ai accéléré inconsciemment, parce que c'est même pas voulu, j'ai accéléré inconsciemment le rythme, parce que quelque part au fond de moi j'ai dû me dire que j'en sortirai pas si je continue à jouer comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que maintenant je fais une vidéo par, enfin une mission par épisode. Ah oui, au fait, concernant mon cheval, putain, mais tout le monde est ivre mort là. Ah non, mais elle se fait chier en fait. Je vais aller la saluer et lui demander si tout se passe bien. Miss O'Shea. You know, I'm sure Grimshaw could use an extra pair of hands around here. I'm nobody's servant girl, Mr. Morgan. Oh, très bien. Eh bien, reste là. Attendre que la bouffe te tombe toute cuite dans le bec, espèce de connasse. You awake yet? Oh, what is it? Bon, rien. Je venais regarder dans ton décolleté. Le décolleté, ta petite nuisette, là. Ouais, bah écoute, je suis le seul à bosser sur ce putain de campement là, sans déconner. Alors certes, moi je fais pas des tâches là, comme ça, à aller couper du bois ou machin, mais je vous ramène de la bouffe, je vous ramène de la thune, je fais que ça de mes journées, bordel de merde. Et quand je rentre, je vois quoi? Je vois des ivrognes en train de cuver leur vin dans des canapés, bordel de merde. C'est insupportable à force. C'est insupportable. J'ai l'impression d'être le seul à bosser là-dedans, à mettre ma vie en danger qui plus est. C'est incroyable. Alors en off, je me suis amusé un peu à améliorer, vous savez, les trucs du campement, parce que je le fais jamais, ça, je l'ai pas encore fait depuis le début du jeu. Là, j'ai rien à lui donner, je crois que je lui ai donné tout ce que j'avais d'important, ouais. Et donc j'ai débloqué quelques petits trucs. Alors j'ai débloqué par exemple au niveau des sacoches, voilà la sacoche pour fortifiant. Qui est pas très très jolie, mais en tout cas est plus belle que celle qu'on a dans le début du jeu. La sacoche pour ingrédients, qui est celle que je crois... Ah non, c'est celle-là que j'ai équipée actuellement. Et la sacoche pour provisions. Et pour l'instant, j'ai celle-ci d'équipée. Bon, elles sont pas terribles les sacoches, hein, quoi qu'il arrive.
Je suis pas un grand fan, peut-être celle-là, encore. Ouais, peut-être celle-là, ouais, pourquoi pas. Mais non, celle-là, tiens, j'aime bien celle-là. Et il me manque une peau de panthère, donc ça, c'est pas évident à trouver, hein. Je sais même pas s'il y en a le moine. Quoi que si, hein, s'il n'y en a pas le moine, je vois pas où il pourrait y en avoir des panthères. Donc je pense que justement, c'est à le moine que je risque le plus d'en trouver, des panthères. Ok, donc voilà, si on trouve une panthère, eh bien on essaiera de se la faire. Poilot derrière. J'ai le truc Google qui se lance alors que j'ai rien demandé sur mon téléphone. J'ai l'impression d'être espionné, c'est assez malaisant. C'est assez malaisant. Quartier d'Arthur, et eh ben écoutez, on peut acheter un crâne d'alligator. On va acheter ça. On peut acheter une table recouverte du pot de sanglier. Ça sert pas à grand-chose, mais bon. Là, on va leur mettre un tapis pour qu'ils évitent de dormir par terre comme des réfugiés de Sangatte. Oh, jusque la prise, on pourra avoir un truc comme ça. De nos temps, de notre temps, il vaut mieux fermer sa gueule et ne rien dire, qui touche de près ou de loin à la politique ou à la société, parce que tu risques de te retrouver avec trois procès au cul pour diffamation ou appel à la haine ou injure raciale ou ce genre de conneries. Nappe en cuir d'antilope, pourquoi pas? Allez, vas-y, on prend. Ouais, on vit dans une société de malades mentales, on vit dans une société tarée, moi je la supporte. Tu vois, genre j'ai appris que Disney reniait les Aristochats, le film, le dessin animé des Aristochats. J'ai appris il n'y a pas longtemps que Disney le reniait littéralement parce qu'en fait dedans il y a une caricature de personnes asiatiques, en l'occurrence avec les chats siamois. Enfin, il y a un chat siamois dedans et en fait il a les yeux bridés et en très gros c'est une caricature de la communauté asiatique quoi. Enfin, la communauté asiatique ça veut rien dire en soi, parce que la communauté asiatique c'est très très large, ça regroupe tout le continent asiatique donc. Mais on va dire une caricature de chinois ou de japonais, enfin voilà quoi. Et du coup, tac. Et du coup, eh ben Disney, pour pas se faire taxer de raciste, eh ben, voilà, ils ont décidé de renier ce dessin animé, comme plein d'autres en fait, dans lesquels ils avaient utilisé des caricatures d'ethnie, de communauté. On en est là quoi. Faut plus rien faire, faut plus rien dire, faut fermer sa gueule. C'est pour ça que tout est mauvais maintenant, les produits culturels sont mauvais, parce que tout doit être aseptisé pour éviter au maximum les histoires et polémiques sur les réseaux sociaux et compagnie. Tout doit être aseptisé, on n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire. C'est vraiment une société qui m'emmerde et que je trouve à vomir. Je sais pas, je la trouve horrible cette société, je la trouve horrible. Bah, du coup, je vais galérer, je vais attendre un petit peu. Tiens, je vais faire 2-3 tâches là sur le campement. Ouais, parce qu'en fait, j'attends que les activités du camp soient disponibles. Alors, quand je parle d'activité, je parle pas d'aller couper du bois, hein. Je parle de faire des attaques de diligence ou ce genre de trucs. Parce que j'ai vu dernièrement qu'il y avait une activité en ce moment qui est disponible au camp et qui est un vol de bétail. Donc, je suis curieux de faire ça en fait. Parce que je l'ai jamais fait. Donc je suis curieux de faire cette activité. Donc en attendant, on va travailler un petit peu sur le camp. Ouais, c'est une société que je trouve à vomir, je la supporte plus, honnêtement, je suis pas bien dans ce monde de merde, je suis pas bien dans cette époque de merde. Je sais, je le dis à chaque épisode, mais plus ça va et c'est de pire en pire, quoi. Supporte plus toutes ces conneries de polémique, tous ces réseaux sociaux. Moi, j'ai aucun réseau social, enfin réseau social. Je suis sur YouTube et c'est tout quoi. Voilà, ça me permet de faire vivre un petit peu ma passion et non pas d'en vivre. Mais c'est pas grave ça. Mais voilà, ça me permet de partager ma passion aux gens, que ce soit les jeux vidéo, les comics, les films de super-héros, ce genre de trucs. Mais hormis ça, les réseaux sociaux, je les ai toujours eus en aversion. Je les ai toujours eus en horreur. Pour cette raison, c'est que. Et ben voilà, pour tout ça. Et encore. Parce que Facebook, c'est quand même assez vieux maintenant. Hein. Je veux dire, on est en 2021. Donc Facebook, ça a quand même déjà pas mal d'années derrière lui. Et faut que j'aille où là? Remplissez le seau. Ok. Et du coup, à l'époque, j'ai pas souvenir. On était en quoi, 2007-2008 quand ça a été créé ce truc-là. En tout cas, à l'époque, j'ai pas souvenir que
qu'il y ait autant de polémiques sur Internet pour une film, pour un film pardon, ou une série ou un truc, un acteur qui aurait eu un propos déplacé ou je sais pas. J'ai pas l'impression qu'à la toute base, les réseaux sociaux eh bien, étaient sujets à autant de polémiques en fait. Quand ça a été créé, en tout cas avant les années 2010, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est amplifié, je trouve, ces dernières années. Mais genre, ces 3-4 dernières années, ça s'est amplifié, mais d'une manière assez violente, assez ahurissante. Mais déjà à l'époque, tu vois, même quand c'était pas au sujet à toutes ces polémiques, j'avais senti le truc arriver et je me suis dit non, il y aura deux questions que je m'inscrive sur ces machins-là, sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas, je trouve ça malsain en fait. C'est con, mais je trouve ça malsain, quoi. Vous allez dire, t'as bien une chaîne YouTube où tu nous racontes un peu ta vie, certes, mais. Bon, maintenant, vous avez mon visage. À la toute base, il n'y avait pas mon visage parce que je me planquais sous mon chapeau. Donc, j'avais quand même un semblant d'anonymat. Et puis, je suis planqué derrière un pseudo, quoi. Je veux dire, Facebook, c'est ton... T'es là avec ton nom de famille. Tout le monde peut voir ce que tu fais. Alors, vous allez me dire, oui, mais à ce compte-là, tu peux te mettre sur Facebook, mais sous un pseudo. Bah, je vois pas l'intérêt parce que, du coup... Je vois pas l'intérêt d'aller sur Facebook sous un pseudo, en fait. Tu vois, je ne vois absolument pas l'intérêt du truc. Parce que le but de Facebook, c'est quand même de retrouver des gens... Voilà, de créer des groupes avec des gens, avec des amis, avec de la famille ou quoi. Donc des gens qui forcément vont te connaître, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt d'aller sur Facebook avec un pseudo en fait. Et je sais pas, je trouve ça malsain parce que tu vois, ton patron, il peut... Ah ouais, d'accord. En fait, vous buvez l'eau des marécages, quoi. Ah, vous êtes des gros dégueulasses, quoi. Ton patron peut à tout moment voir ce que tu fais. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi. Après, on va me dire ça dépend de ce que tu publies, certes, mais alors si tu publies rien, ça sert à rien d'être sur Facebook. En fait, je reviens à ça. Si tu publies rien et que tu fais rien de peur de te faire mal voir ou de... Enfin voilà, ça sert à rien d'être sur Facebook. En fait. Au moins sur YouTube, je fais mes petites vidéos, voilà, sous couvert d'anonymat, bien que vous connaissiez mon visage maintenant, mais ça reste quand même de l'anonymat parce que vous savez pas comment je m'appelle, vous savez pas où j'habite, à part que j'habite à Dijon, mais Dijon c'est vague, il y a 200 000 habitants en Dijon et agglomération, donc bon, voilà quoi, je veux dire que ça s'arrête là. Et puis en fait, il y a un truc aussi, c'est que sur YouTube, en fait, il n'y a que des gens qui ne me connaissent pas, qui regardent mes vidéos, parce que je n'ai jamais dit aux gens que je connais, aux gens que je fréquente au travail, ou à mes amis, ou à ma famille, à part Necros, hein, qui est au courant, c'est tout, parce qu'il avait également sa chaîne YouTube, mais il n'y a personne, à part Necros et ma femme, qui sait dans mon entourage proche que je fais des vidéos sur YouTube. Et en fait, c'est dans un souci d'anonymat parce que j'ai pas envie que mes collègues de travail, par exemple, eh bien, me voient faire le con sur des vidéos. J'ai pas forcément envie qu'ils aient cette image de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est assez compliqué à expliquer en fait. C'est assez compliqué à expliquer. Mais entre vous et moi, il y a une barrière en fait. On se verra jamais dans la vraie vie, clairement. Bah, du coup, ça a pas l'air de pop là, les activités, ça fait chier. Hein. Je vais continuer, c'est peut-être encore un peu tôt. Les gens ils sont pas tous réveillés et tout, je vais attendre un peu. Mais vous, en soi, vous savez pas vraiment qui je suis. Même si vous connaissez pas mal de trucs sur moi, en soi, vous savez pas vraiment qui je suis, vous vivez pas avec moi quoi. Donc, je m'en fous que vous me voyez faire le con. Mais j'aurais plus de gêne si par exemple un de mes oncles ou un de mes cousins ou je sais pas me voyait faire ça. Je sais pas, faut que je fasse quoi avec ça? Ok, que j'amène là-bas aux chevaux en fait. Je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi j'en suis venu à parler de ça. Oui, voilà, j'étais sur les polémiques Disney et compagnie. Là. Maintenant, tu es dans une société où tu ne peux plus rien dire. Dès que tu mets un truc déplacé sur... Enfin, déplacé. Un temps soit peu déplacé sur un réseau social, tu te fais flinguer derrière parce que t'es un raciste ou parce que ci ou parce que ça, ou t'es un transphobe ou je sais pas quelle connerie encore. Maintenant, des phobies, on a tous les... À tous les niveaux, on peut te taxer de phobique de je sais pas quoi maintenant. De phobique de quelque chose. Ouais, c'est de la merde, quoi. Franchement, je supporte pas cette société de tarif. Le seul truc qui est bien dans cette société, c'est la technologie et la science. Parce que bon, on soigne des maladies qu'on soignait pas à l'époque.
Donc ça c'est cool. On a quand même avancé à ce niveau-là. Et puis la technologie, alors pas au sens les voitures et les fusées, ça je m'en bats les couilles, mais la technologie au sens où je peux jouer à Red Dead 2 et vivre eh bien une époque, même si c'est par le biais d'un jeu vidéo. Eh ben, il y a quand même un temps soit peu d'interactivité pour que ça puisse me plonger, voilà, me faire rêver un petit peu, me plonger dans une époque dans laquelle j'aurais voulu vivre et me faire rêver un peu, quoi. La technologie peut t'apporter ça maintenant. Bon, hormis tout le reste, je m'en bats les couilles, les bagnoles, j'en ai vraiment une parce qu'il faut que j'aille au boulot tous les jours. Mais sinon, j'aurais pas de bagnole, j'en aurais rien à foutre, quoi. Je déteste les voitures. La preuve, c'est que j'ai eu que des bagnoles de merde, moi, dans ma vie. Tu vois, des petites bagnoles qui coûtent pas cher, des Ford Fiesta, des 206. Ça me va très bien, ça coûte rien. Et puis, même si je gagnais 1 million d'euros au loto ou je sais pas, en fait, je m'achèterais une petite 208 neuve. Casse les couilles. Okay then. Casse les Not couilles. to worry. Je vais attendre que ça pop là. Ça fait chier, ça pop pas, bordel de merde, dans les activités là. Ça m'emmerde un petit peu là. Ouais, si je gagnais 1 million d'euros au loto, je m'achèterais même pas une bagnole, tu vois. Enfin, si, je m'achèterais une 208 neuve, voilà. Donc, tu vois, j'ai pas des grosses ambitions à ce niveau-là. Parce que je trouve superbe. Cette voiture, je la trouve super belle. Moi j'aime bien les petites Peugeot 206, 208, 207, j'adore ces bagnoles, je les trouve sublimes. Voilà, je m'achèterai une 208 neuve. Ma femme, pas besoin de lui acheter une bagnole, elle en a une neuve. Et puis voilà, quoi, après, bon, le pognon, je pense que je placerai, j'en donnerai une partie à mes proches. Je placerai le reste. Je pense que je m'achèterai un petit truc en Australie, un petit pied-à-terre en Australie. Maison, tu sais, ou je sais pas. Mais voilà, j'aurais pas la folie des grandeurs en fait. Ah, je peux pas mettre mon cheval ici. Merde, il est keblo du coup. Merde, il est keblo ce coin. Putain, j'ai keblo mon cheval. Est-ce qu'il peut venir? Ouais, il peut venir. Ok. Oui, concernant le cheval, putain, je suis désolé, je pars dans. Toutes les directions possibles et imaginables. On a parlé de Facebook, on a parlé de politique, de Walt Disney, de ce que j'achèterais si je gagnais au loto. Ça n'a aucun sens. Ce début d'épisode n'a aucun sens. Je suis désolé, vraiment. Bah en fait, je m'attendais pas à devoir attendre comme un con que les activités pop, quoi. Putain de merde. Là, il y a des activités qui doivent pop normalement, bordel de merde. Elles sont où là? Et du coup, il y a des missions à faire, mais tu vois, j'ai peur que les missions, elles m'emmènent je sais pas où, là, Perpète. Peut-être faire celle de Léopold Strauss, tiens, finalement. Je vais peut-être faire celle de Léopold Strauss. Alors, juste un truc, parce que là, je pars dans toutes les directions, je suis désolé, je vais essayer de me recadrer, parce que ça n'a aucun sens. Je dois vous casser la tête, là. Mon cheval, pour vous expliquer ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, il se trouve que j'ai insulté de tous les noms les développeurs du jeu parce qu'ils n'avaient pas corrigé un bug de cheval, machin, comme quoi mon cheval était buggé et que mon cheval, Siska, là, avait disparu, avait été remplacé à mes dépens par un autre. En fait, il n'en est rien. C'est juste que quand je suis allé aider la meuf qui se faisait agresser dans sa maison au bord du marécage, là, eh bien, en repartant, je ne sais pas, un coup de fatigue ou un coup, ou en tout cas une inattention certaine de ma part. J'ai pris le cheval qui était attaché à la maison. En fait, j'ai cru que c'était mon cheval, tu vois. Et en fait, c'était le cheval du couple. C'était un des chevaux qui, enfin, un des chevaux qui appartenait au couple. Et je suis rentré au camp et tout, puis j'ai vu que ben, dans le marécage et tout, où il faisait un peu sombre, j'ai pas vu tout de suite que c'était pas mon cheval. Et je l'ai vu quand on arrive au campement. Et là, je me suis dit, putain de merde, ça y est, j'ai encore le bug de mon cheval qui disparaît et qui est remplacé par un autre. Parce qu'il faut savoir que ce bug-là, il m'est arrivé pour de vrai en off. Voilà. Et même en allant à l'écurie, en reprenant le cheval Siska, eh bien, il me refoutait un cheval marron dans les pattes qui n'avait rien à voir avec Siska. Et pourtant, quand je zoomais sur le cheval, il me disait bien qu'il s'appelait Siska. Tu vois, quand je faisais ça, il me disait bien que c'était Siska, alors que c'était pas du tout Siska, c'était un cheval marron. Tu vois. Bref, le jeu était buggé. Et du coup, j'ai insulté les développeurs et tout de pas avoir corrigé ce bug et tout. Mais sauf que dans le dernier épisode, pour le coup, le problème vient de moi. Le problème vient de moi parce que c'est clairement moi qui ai fait de la merde. C'est clairement moi qui n'ai pas pris le bon cheval, en fait. Voilà. Donc je m'en excuse. Bref, quoi qu'il arrive, je vais aller voir Léopold Stroh, je vais aller voir ce qu'il me dit. Je vais activer la mission, puisque lui, il va me dire d'aller récupérer du pognon à droite à gauche.
Donc toujours activer ça le plus tôt possible, parce que comme ça, si vous passez devant à l'occasion, et bien ça vous permet d'y aller sans avoir à faire des détours. Ouais. T'as 20 minutes d'épisode déjà, mais c'est incroyable, j'ai rien branlé quoi. Ça craint. Ah voilà, tu veux du RP, ben t'as du RP pour le coup. Ouais. Mon cheval, il a chié ici. Où c'est que j'ai planqué ce connard de Strauss? Attends, 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 il est bien dans le campement au moins là, je veux pas. Ouais, c'est bon, il est dans le. Et putain, mais il est à l'autre bout de la map quoi. En fait, le campement il est vachement grand quand tu regardes. Et. T'as des petites baraques là. Qui pourraient servir aux gens. Pour dormir et tout, non? Celle-là, elle m'a l'air assez insalubre. Plutôt que de dormir dans des tentes là. Ouais, quoique, je préférerais dormir dans une tente en fait. Que dormir dans ce truc. J'aurais trop peur qu'elle s'écoule sur moi. Ou de ce que je pourrais trouver à l'intérieur. Du laurier rose. Ça, je vais en prendre parce que ça me permet de fabriquer des flèches empoisonnées de mémoire. Donc ça, c'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ça m'intéresse. Et c'est quoi ce qu'il y a là-bas, là? Ah, c'est une tortue alligator, ça. Ouais, petite tortue alligator. Et Strauss qui apparemment se trouve ici, quelque part, aux abords de cette jetée. Il est là, effectivement, il est dans la petite cabane. Tu vois, il est moins con que les autres. Ah non, il est juste à côté, ok. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on debt, you know. Yeah. Okay. Je crois que j'y suis déjà allé le voir. Ah, c'est peut-être pas le même. Catfish Jackson, c'est là où habite. Vous savez, le père et son fils, là, le père qui tapait son fils, les deux blacks. Tu vois, maintenant, t'oses même plus dire ça parce que, ouais, t'es un raciste, parce que t'as dit qu'ils étaient blacks, t'as fait une différence entre. Non, mais tu vois, on vit dans ce genre de société de malades, c'est pour ça. Mais le père et son fils black, là, ils habitaient à Catfish Jackson. Donc en fait, j'ai peur d'avoir déclenché le script qui était réservé pour cette mission. Tant pis, c'est pas grave. Pire des cas, j'y retournerai. De toute façon, il faudra que j'aille choper de la panthère. Et je crois que c'est là-bas le meilleur moyen pour aller choper de la panthère, c'est d'aller justement par là. Ici, il y en a pas mal dans les forêts, là. Attends, c'est ici ou c'est... Ouais, si, c'est ça. Là, je me suis déjà fait attaquer par des panthères, ici. Oldari Fen. Les activités ont toujours pas pop, ça fait chier quoi. Putain, comme par hasard, quand je joue en off, il y a toutes les activités possibles qui pop sur le camp. Braquage de diligence, braquage de banque, vol de bétail et tout. Et là, je veux en faire une. Parce que je sais qu'après, on pourra plus les faire. Donc ça, c'est des missions qui sont temporaires, donc il faut se dépêcher de les faire si on veut les faire. Et après, elle pop pas. Donc ça fait chier. Du coup, je vais aller à Catfish Jackson, je pense.
ça sera fait. Puis voilà quoi. Et tu vois là, ouais, ils veulent aller à Tahiti se réfugier pour vivre une vie de fermier. Enfin, en Australie. Non, à Tahiti. Bah, à Tahiti, vivre une vie de fermier. Ouais, quoi que si, en fait, si, si. Si, j'allais dire, c'est pas possible, mais si, carrément. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible, en fait. Pas de rancher, c'est la différence, tu vois. Mais en fait, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait, j'aime Red Dead. En tout cas, Red Dead 1. En plus du fait que voilà, ce soit un open world western, que ce soit super bien fait et tout. Il y a un truc que j'aime particulièrement dans le jeu et qui me fait aimer le film Titanic pour exactement la même chose. C'est cette promesse d'une vie meilleure qui attend les héros, enfin les personnages principaux, les héros, oui. C'est cette promesse d'une vie meilleure, d'une vie plus belle. Tu vois, c'est presque poétique en fait. Tu vois, tu traverses une sale période. Le Titanic, il traverse le fait que le Titanic est en train de couler. Donc c'est la merde. Et dans Red Dead 2, eh bien, ils traversent le fait de voilà, d'être chassés partout où ils vont, d'être dans la merde, d'être recherchés par toutes les forces, toutes les autorités possibles du pays. Donc bref, c'est le bordel, quoi, parce que leur vie est clairement mise en danger. Et il y a cette promesse d'un retour au calme, d'un retour à une vie meilleure, d'un retour à une vie paisible, mais une fois que la tempête sera passée, en fait. Et tu sens que c'est peut-être palpable, mais pas réalisable. Et quand tu joues au jeu, même si c'est la première fois que tu vas jouer à Red Dead 2, et ben en fait, tu sais que ça pourra pas être possible. Même si tu connais pas encore le scénario du jeu et que tu sais pas comment ça va se terminer parce que c'est la première fois que tu y joues, tu sais au fond de toi que tout ça n'est pas possible. Alors déjà d'une, parce que tu as joué à Red Dead 1 et tu as bien vu que quoi qu'il arrive, bah, c'était parti en couille et que finalement, bah, ils avaient été tous. Tous les membres du groupe avaient été massacrés ou avaient disparu, ou voilà quoi. La civilisation, le développement du pays et tout ça les a rattrapés et donc a mis fin à leur épopée d'une manière assez brutale. Mais même sans parler de Red Dead 1, en fait, tout simplement parce que bah, c'est des jeux historiques, entre guillemets. Tu sais pertinemment ce qui s'est passé, que voilà, la société a évolué, l'industrie s'est développée, et que effectivement, eh bien, cette période des desperados, des bandits de grand chemin, cette période, eh bien, elle s'est terminée, elle a pris fin. Donc, tu sais pertinemment que c'est un rêve qui est voué à mal se terminer. Et c'est ça qui est fantastique quand tu joues à Red Dead 2, tu sens que une menace plane. Écoute la musique là déjà. Tu vois? Tu vas vers quelque chose d'inéluctable, d'inévitable. Une menace qui plane sur l'ensemble du groupe, sur ton personnage, sur Arthur. Et un destin funeste. Et ça, tu le sens parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'il y a tout ça, quoi. Et j'ai ressenti exactement la même chose la première fois que j'ai vu Titanic. Alors c'était il y a longtemps, c'était en 97, j'avais 10 ans. Mais je me souviens pertinemment de ma première. Mon premier visionnage de ce film au cinéma. Alors j'avais été spoil parce qu'à l'époque tout le monde savait que Jack mourait à la fin du film et tout le monde était spoilé, hein, même quand tu allais voir le film 2 jours après sa sortie. Il n'y avait pas internet à l'époque et tu te faisais quand même spoiler, hein, parce que tu avais toujours quelqu'un dans l'école, à l'école ou dans ton entourage qui l'avait vu. Et donc, à l'époque, en fait, n'y avait pas cette notion de spoil. Je crois que ça arrive un peu plus tard. Hein. Déjà en 97, je sais même pas si on utilisait en France le terme spoil, pour être franc avec vous. En tout cas, à l'époque, c'était pas mal vu de spoiler, en fait. Tu vois, tu racontais un film comme ça, et je me rappelle pas que ce soit mal vu à l'époque de spoiler quelque chose. Et donc, du coup, tout le monde se spoilait tout, en fait. Tout le monde se spoilait tout. Et donc Titanic, forcément, bah, t'étais spoilé parce que tu savais pertinemment que Jack allait mourir quand t'allais voir le film. Et moi, quand je suis allé voir le film, je savais que Jack allait mourir. Je savais pas spécialement comment, mais j'imaginais. Soit noyé, soit de froid, voilà. Et en fait, j'ai vu ce film avec toujours cette appréhension et cette menace qui planait
Et tu sais que le film se dirige vers quelque chose qui sera obligatoirement dramatique, triste et terrible. Mais t'as envie d'y croire. T'as quand même envie de croire que tout ira mieux. Et t'as quand même envie de croire que Jack et Rose, eh ben, ils arriveront sains et saufs aux États-Unis, là où ils doivent se rendre. Et qu'à l'arrivée du bateau, ils s'enfuiront ensemble. T'as envie de croire à tout ça et qu'ils vivront leur vie d'amoureux parce que c'est un des plus beaux couples de l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est le plus beau couple de l'histoire du cinéma. C'est un couple qui fait rêver. C'est un couple qui... C'est complètement féerique, cette histoire. C'est pas du tout réaliste. Hein. Le couple dans... Dans Titanic, le seul truc qui est réaliste, c'est tout le film, sauf le couple. Dans Titanic, tout est réaliste, sauf le couple Jack Dawson et Rose David Bucketer. Pour des raisons sociales. Pour... Puis voilà, c'est une histoire, c'est une romance, c'est féerique, c'est beau, c'est poétique, c'est tout ce que tu veux. Et donc du coup, t'as envie que cette romance, elle ne prenne pas fin et que, à l'arrivée du bateau, ils s'enfuient tous les deux ensemble et qu'ils vivent leur amour. Et t'aurais presque envie de voir la suite, tu vois. T'aurais presque envie de les voir, là, les deux amants, les deux amoureux, en train d'essayer de survivre dans une Amérique en plein développement. On est au début des années 1900. Une vie de vagabond. Tu vois, une vie de bohème, un peu, tu vois. Une vie de bohème, comme dans le film Horizon lointain de Ron Howard avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Un superbe film que je vous invite à voir. Cette vie de vagabond comme ça qui fait rêver, cette vie d'aventurier qui fait rêver. Tu aurais presque envie de voir un film là-dessus, quoi. Donc même si tu sais que Jackie meurt à la fin du film, t'as quand même l'espoir. Et en plus, ça marche encore maintenant. Enfin, je veux dire, ça marche. Tu sais pertinemment ce qu'il arrive à la fin du film, mais ça marche à chaque fois que moi, je me tape un visionnage de Titanic. J'ai quand même un espoir au fond de moi, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir tous les deux, quoi. Et je vis exactement la même chose sur Red Dead 2. Exactement la même chose. J'ai l'impression de faire du Van Damme quand je parle. J'ai l'impression que je suis en train de me taper mon délire et que personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Mais je sais pas. C'est très difficile des fois d'écrire ce qu'on ressent quand on regarde une œuvre, quand on lit quelque chose, quand on regarde un film, quand on vit une œuvre. J'ai l'impression qu'il y a de la fumée, qu'il y a un truc qui est en train de me brûler. Je fais attention parce qu'il y a pas mal de panthères ici. Non, sans déconner, la brume, là, t'as l'impression qu'il y a un feu de forêt, tu sais. Fais attention aux panthères. Et si je vois un cougar, faut que je le bute avec un arc. Donc on va pas se mettre en danger, on va prendre un arc avec des flèches améliorées, ça fait le café, ça. Flèche améliorée, ça, c'est très très efficace. Et je vais aller taquiner du cougar si jamais j'en trouve, donc je vais couper à travers la forêt, là. Ça multipliera mes chances de croiser un félin. Fasse attention quand même à ce que je fais. Oh là. Non, non. Je suis dans la merde. Il est en train de me tirer dessus le tocard là. Il va faire fuir mon cougar là. En fait, au moment où j'ai fait l'action de tirer, mon cheval était en train de cabrer pour terroriser quoi. Donc, ah, il devrait être dans le coin là, il est pas loin là. Je suis con, putain, j'ai l'œil du lynx pour savoir où partent les animaux. J'ai l'impression qu'il a des pop. Est-ce qu'il est parti par là? Et je vois pas sa trace quand je fais l'œil du chasseur. Non. Il a des pop, ce connard. Putain de merde, ça fait chier, quoi. J'aurais dû le suivre. Je l'ai perdu de vue, ça fait chier, quoi. Lui, il me retire encore dessus une fois. Bon. Il y a un problème, fils de pute.
Je suis pas venu te casser les couilles, c'est toi là qui viens me. Qui me tire dessus là. Espèce de merde. Je veux pas le tuer. Je vais juste lui enlever sa main, tu vois. Continue. Continue. C'est bon, tu t'es calmé, fils de pute? Apparemment non. Allez, nique ta mère. Et là, le jeu qui considère que ben, j'ai fait une mauvaise action. Tu vois. Alors que le mec, je lui ai laissé. Je suis passé tranquillement à cheval à côté de son campement. Alors certes, j'avais l'arc à la main, le mec a cru que j'étais agressif. Mais à partir du moment où t'as un mec qui a une arme à la main, qui arrive dans ton périmètre, mais qui ne te regarde pas et qui semble littéralement t'ignorer, et qui se barre dans l'autre sens, ça veut pas dire qu'il est agressif en fait. C'est pas parce qu'il a une arme à la main que le mec est agressif en fait. S'il te regarde pas et qu'il va dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il me tire dessus. Je l'ignore encore pour lui bien lui prouver que je n'ai cure de ses histoires et que je suis pas là pour lui et que je m'en bats les couilles, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Et le gars, il tire dessus comme un gros con, tu vois, voilà. La forêt, elle a tout le monde, espèce de fils de pute. Donc si tu veux pas comprendre ça, eh ben nique ta mère. Maintenant, t'es mort et la forêt, elle t'appartiendra à tout jamais. C'est un cougar, ça, non? Ah non, c'est un sanglier. Or, j'entends des bruits de sangliers. Donc je l'ai buté, voilà, ça m'a considéré ça comme une action malfaisante. Mais niquez vos mères, c'est bon, au bout d'un moment faut arrêter les conneries là. Attends, c'est quoi cette histoire là? C'est un sanglier ça qui fait ce bruit là. Mais voilà, attendez, Oldarifen, il fallait pas que je fasse quelque chose aussi. Je suis en train de penser là. Je vais juste aller un petit coup à Oldarifen parce qu'il me semble que j'ai quelque chose à y foutre là-bas. Non ? Il n'y a pas quelque chose à y faire là-bas, Oldarifen ? Ah, je sais plus. Je sais plus, putain, je sais plus. Non, bah non, il n'y a rien qui s'affiche sur la carte, donc c'est qu'il n'y a rien à y faire. J'étais persuadé que je devrais, quoi qu'il arrive, y retourner. Parce que je suis déjà allé là-bas dedans, mais. J'étais persuadé que je devrais y retourner, quoi qu'il arrive, à Oldarifen, que je n'avais pas encore tout fait ce qu'il y avait à y faire là-bas. Dans cette maison un peu étrange. Alors, du coup, Catfish Jackson, c'est ici que je suis venu. J'avais assommé le père, je l'avais ligoté. Parce que ce bâtard connaît son fils. On va parler d'un pêcheur, donc j'imagine que là il y a une barque, donc il doit être sur la rive en train de pêcher. Non ah, quelque part, je suis quelqu'un de logique, si c'est un pêcheur, il est en train de pêcher. Non, je pense qu'il est. Ah si, regardez, il y a quelqu'un là. You got some damn nerve. Putain, mais c'est toi qui veux de l'argent au groupe? Remember that loan you took, Mr. Davison? Incroyable. Long since up, I'm here to collect. First you rob me, then you want to get paid. They asked why I turned to the bottle. Sure. I got your money, every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other. J'ai pas vraiment envie de boire avec toi, mon gars. Tu tapes ton fils, t'es une crevure de la pire espèce. You lucky I'm humoring you at all. Yeah, I remember. I don't know what you're talking about. Now, let's get that debt settled. Hold on. You're getting it. Putain, c'est bien lui, ouais. That's something we can both agree on. But we can also agree you did.
et ne tente rien de déplacer. Bon, le gamin, il a pas pu préparer du poison parce que... Ouais, mais je vais quand même me méfier. Come take it. It's right here. T'es sûr et certain. Je t'ai déjà laissé une chance. Bon. Tu me laisses pas trop de choix. Je suis vraiment trop gentil avec toi, ça fait déjà deux fois que je te laisse la vie sauve, espèce d'enfoiré. Ça fait deux fois que je te laisse la vie sauve, espèce d'enculé. Ça, c'est parce que t'as un enfant et que j'ai pas envie que ce gamin se retrouve orphelin à cause de Dutch van der Linde. Enfin, à cause. Pas vraiment à cause de Dutch van der Linde. Mais au final, si... c'est de la faute du père. Hein. C'est lui qui accepte de l'argent. Enfin, qui accepte d'emprunter de l'argent à des personnes peu recommandables. D'ailleurs, c'est même lui qui l'a dit. Me voilà en train de refouiller cette baraque que j'avais déjà fouillée une première fois. Il va se libérer hein, de toute façon. C'est pas grave, je lui remettrai la même dose. Je l'ai déjà épargné une fois. Ouais, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre des médocs, ça se fait pas de prendre des médicaments. S'ils en ont besoin et tout. Putain, j'ai les cheveux qui ont bien repoussé, comme vous pouvez le constater. Hein. Par contre, je vais lui prendre des armes. Tiens, je vais lui prendre ses munitions. Ça lui évitera de s'en servir sur son fils, par exemple. Fouiller le tiroir, tiens. Ah, mon chapeau. Avant qu'il brûle. Au-dessus de la cheminée, il n'y a rien. J'imagine qu'il va réussir à se libérer parce que au bout d'un moment, les mecs, ils se libèrent tout le temps. Je prends tes clopes. T'as pas besoin d'acheter des clopes. Tu vois, le mec, il a pas de sous, il achète des clopes. Examiner la carte. J'ai ma santé qui remonte parce que j'avais mon noyau plein. Et là, le petit qui s'est planqué dans sa chambre. Ouais, ne t'inquiète pas, je te veux pas de mal. Son, je veux sortir de là, mais je ne peux pas jusqu'à ce que je trouve de l'argent. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Bah voilà, j'arrête de vous embêter. I think I know the sum, and that should cover it. Ain't you the good son? You should be proud of yourself. Je peux plus lui parler au petit là. Non. Bon, il s'est toujours pas libéré lui là-bas, impeccable. Voilà, je me casse, puis c'est tout. T'as trois quarts d'heure pour faire ça. Et donc du coup oui, le cheval que j'ai volé sans faire exprès. Je suis un voleur honnête, voilà, pour faire référence une fois de plus à Titanic.
Eh bien, il est devenu mon cheval secondaire et en fait, il pop de temps à autre aux alentours de ma position. Regardez là sur la carte, on le voit en bas à droite. Donc là, il est grisé parce qu'il est trop loin pour être appelé. Mais sinon, il faut savoir que des fois, il pop et j'arrive pas à le faire disparaître. Je n'arrive pas à le dégager, ce cheval. Et ça m'emmerde. Alors, je vais pas lui tirer dessus hein, quand même, je sais me tenir. Je vais pas le buter. Mais ouais, c'est un problème, c'est que j'arrive pas à dégager ce cheval qui est devenu mon cheval secondaire. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Parce que depuis, normalement, pour qu'un cheval devienne ton cheval principal, il faut l'attacher, je crois. C'est quand tu l'attaches à un poteau ou un truc comme ça, j'ai rien pour me remettre de la du sang-froid. Normalement, quand tu l'attaches à un poteau, quand tu attaches un cheval à un poteau, ce cheval devient ton cheval principal. Putain, le fait qu'à chaque fois que tu descends et que tu remontes sur le cheval, ça désélectionne tes armes, ça c'est incroyablement relou. C'est un des pires défauts du jeu, ça je crois. Je crois que ouais, si je devais citer le pire défaut du jeu, ce serait ça en fait. Ce serait le fait que tes armes là, à chaque fois, tu vois en bas là, ça se désélectionne. À chaque fois. C'est ultra chiant. On va couper à travers bois pour espérer trouver un cougar ou une panthère. Je pense que c'est juste. C'est les mêmes bestioles, c'est juste le skin qui change, je pense. Hein. Cougar et la panthère, je pense que ouais, il y a juste le skin qui doit changer. Du coup, ouais, il faut à tout prix que je me remette du sang-froid, mais j'ai pas grand-chose. Ça, c'est des trucs temporaires, donc c'est pas terrible. Puis ça me remplit pas le noyau, donc c'est pas top top. À part la clope, il n'y a pas grand-chose. Hein. Clope, cigare, tout ce qui. Tout ce qui détruit les poumons, ça remet du sang-froid. On va savoir pourquoi. Là, j'ai des flèches améliorées, ça devrait one-shot panthère ou cougar. Parce que ça, c'est censé one-shot. Les flèches améliorées, c'est censé one-shot des wapitis. Donc, si ça one-shot un wapiti, je pense que ça one-shot facilement un cougar. Hein. Après, tout dépend de là où tu tires, c'est sûr. Faut essayer de viser la tête quand même, quoi qu'il arrive. Faut rester très vigilant. Parce qu'en fait, dans Red Dead 1, les cougars, quand ils t'attaquaient, ils bouffaient le cheval. Et c'était one shot. Mon cheval, il mourait direct. Donc, ça, c'était vraiment un problème. Moi, je me rappelle quand j'allais chasser le cougar. Dans Red Dead 1, j'allais au Rio Bravo parce que c'était là où il y en avait le plus. Ça popait toutes les 3 minutes là-bas dedans. Et en fait, j'étais toujours à pied. Parce que à chaque fois, ça te tuait ton cheval. Ton cheval il mourait. Tu voyais jamais le cougar arriver. Tu le voyais au dernier moment. Et c'était trop tard, quoi. Et ton cheval, ben, hop, terminé, au revoir. Et là, dans Red Dead 2, les chevaux sont un peu plus intelligents. Ils se barrent avant. Le problème, c'est qu'en se barrant, ben, vu qu'il cabre, eh ben, il te renverse. Et toi, tu te retrouves en tête à tête avec le cougar, tout seul, comme un con. Donc ça pose de gros soucis. On va manger un bout parce que j'ai rien bouffé depuis que je suis parti du camp. Là, ça commence à craindre. Quelle heure il est d'ailleurs? J'ai toujours une prime de 35$ sur ma gueule à Scarlet Meadows, ça fait chier ça. Il est 17h42, hein, j'ai rien bouffé de la journée. Je me disais, putain, je pète la dalle quoi. What the fuck? Je pète la dalle, il y a quoi à manger là? Des biscuits, voilà, rien de consistant, des crackers, des fraises, du sucre et encore du sucre. Ah, des haricots. Quand même. Un petit cougar. Tu serais le bienvenu. Chant.
que je vais regretter dans pas longtemps d'avoir demandé ça. Un petit cougar serait le bienvenu. Il y en avait un par là tout à l'heure. Ah, il devrait y en avoir un. Normalement, les animaux ils respawnent toujours au même endroit. Oh putain, attends, le cheval il vénère là. Le cheval commence à avoir peur. À la recherche des cougars. Généralement, les animaux ont tendance toujours à spawn au même endroit. Donc, si je retourne là où j'en ai vu un la première fois, dans cet épisode d'ailleurs, je devrais sûrement le retrouver, le petit fumier. Je sens le cheval qui est un peu sous tension là. J'espère juste le trouver, ce bâtard, avant que le soleil ne se couche. Parce que sinon, ça sera même pas la peine d'essayer de chercher quoi que ce soit. Déjà, j'y verrai rien et puis le cougar me verra avant, donc c'est mort. Autant se tirer une balle dans la tête, ça va plus vite en termes de suicide. C'était par là que j'avais vu un cougar, je crois. C'était pas loin du rivage, ouais. Ouais, mais là, on est à Catfish Jackson. Oula. J'ai bien mes flèches améliorées d'équiper. Je sens que le cheval est un peu vénère, là. Sanglier. Yep. Okay, there. Je pourrais mettre un appât peut-être. Un prédateur. Moi les appâts ça marche jamais avec moi. Puis en fait. Il y en a un. J'ai entendu là. J'ai pas rêvé hein. J'ai pas rêvé, j'ai bien entendu un gros chat. J'ai bien entendu un gros chat, non? Putain, je flippe en fait. C'est ultra flippant là. Pire que Rio Bravo, parce qu'au Rio Bravo, à la limite, bon, c'était des plaines, quoi, donc des plaines d'herbe, des étendues d'herbe, donc à la limite, tu les voyais arriver, les cougars, même si des fois c'était trop tard, hein, tu les voyais arriver, mais la vitesse où ils te fonçaient dessus, t'avais pas le temps de faire quoi que ce soit, surtout avec la lenteur du gameplay. Mais là, on est carrément dans le sous-bois, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de les voir venir. Ça, c'est un sanglier. On est à Holdery Fen. On n'est pas loin du spot de cougar. Il faut vite que j'en trouve un avant qu'il fasse nuit. J'espère tellement que ma... Oh, c'est une biche. Putain, j'ai eu peur. Je t'avouerai que je suis pas du tout rassuré. C'est ici que le mec avait mis son petit campement. Le cougar ne devrait pas être loin. Ah mais là il fait nuit. Ah ça devient beaucoup trop risqué. Ça devient beaucoup beaucoup trop risqué là. Je suis loin du campement. Non, je suis à côté. Je vais donc rentrer au campement. Ben là, l'idée de planter ma tente ici, ça ne me rassure guère. Je pense que je vais enchaîner un deuxième épisode dans la foulée. Soyons fous. Ici je pense pas qu'il y ait des cougars. J'ai réussi à en avoir un de cougar
déjà dans les défis là. Sur, on me demande 3, j'en ai fait 1 en off. Ah, c'est moi, Karine. Putain, tu montes la garde vachement loin, toi, en fait. Tu me diras, il y a quand même du passage ici. Hein. Pas bon, ça. Parce que nous, on est ici. Ah ouais, en fait, on est vachement proche des routes, là. Après, pour de vrai, moi, ce campement, honnêtement, en vrai, hein, ce campement, moi, c'est pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée, Shady Bell. Parce que c'est un repère qui est connu pour appartenir au gang des Pierres de Lemoine. Alors maintenant, on les en a délogés, certes. Seulement, eh ben, toutes les autorités de la région savent pertinemment qu'ici, il y a des Pierres de Lemoine. Donc si un jour, ils décident de faire une descente pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette vermine, eh ben, ils vont tomber sur nous. Donc c'est pas mieux. C'est pas mieux. Qu'est-ce qu'il me veut, l'oncle? Allez, voler du bétail. Oh, je vais manger un coup et pourquoi pas. Écoutez, on va mettre fin à l'épisode et puis je vais enchaîner sur un autre épisode parce que là, regardez, il est crevé. Donc je vais déjà aller manger, me reposer un petit coup et puis on verra si on peut aller voler du bétail avec l'oncle. Allez, au prochain épisode, les petits gars.